chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Ouais, venez. Chers influenceurs, présent. Pourquoi l'égoïsme a gagné votre cœur? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui se passe? Ma soeur, sois bref. Quand c'était seulement une petite histoire de Cynthia Fianga, on n'a pas respiré. C'est vrai. Il y a eu quoi? Chacun était parti d'un live à l'autre. Pour nous expliquer que Cynthia Fianga est comme ça, Cynthia Fianga est comme ça. C'est diabolique. J'ai dit RSC, c'est quoi ton souci? On tue un journaliste. Mm-hmm. On le souille. Mm-hmm. Vous êtes incapable de donner votre voix. Ne cherchez pas à parler, ce qui ne vous concerne pas. Waouh, qui peut un peu la situer avant qu'on avance? Dans cette affaire de Martinez Zogo, perd son âme. Mm-hmm. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Pourquoi vous, la populace, et certaines personnes voulaient obliger les artistes, les influenceurs, les journalistes à dénoncer forcément et avoir forcément votre point de vue? Point d'interrogation. La main, présentez notre cas voix. Blanche Baïl, allons même sur ton cas. On y va. Allons-y. On t'a accusé d'une histoire de frigo. Frigo. Seigneur. On a dit que tu as volé le frigo où c'était à Kumba, où c'était où? Quelque part au Cameroun. On a filmé, tu as filmé le policier. Mm-hmm. Le policier s'est un peu secoué, ce n'était même pas compliqué. Ah bon, hein? Ah bon? On t'a amené au poste. Mm-hmm. On n'a pas respiré, sinon tout ça on était sur le neuf en train de faire les vidéos. Que oh, vous ne pouvez pas traiter les artistes comme ça. Je te dis que... Oh, vraiment, ce n'est pas normal. Tout le monde a tweeté. On a vu tous les artistes, les journalistes, tout le monde s'est versé dans l'affaire. Sans même comprendre ce qui se passait. Ah bon? Donc votre rôle, c'est de discuter seulement des affaires de cul. Ah! Quoi? Donc votre rôle, c'est de discuter seulement des affaires de cul. Hein? Ah? Alors? Honnêtement, vous n'avez pas honte. Papa Valsero, donne-lui la raison pour laquelle on ne parle pas. C'est un peuple vide. Vide comment? C'est un peuple peureux, c'est un peuple amorphe, c'est un peuple... Non, laisse comme ça. Explique plutôt la raison pour laquelle on a peur. Chacun veut voir ses enfants grandir. Chers influenceurs. Papa, elle n'a pas bien compris. Reprends. Chacun veut voir ses enfants grandir. En vrai. Voilà, avant de continuer cette vidéo, si tu es nouveau sur la chaîne ou sur la page, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Et si tu aimes ce que je fais, partage cette vidéo au maximum. On continue. Ok. Continue. Continue. Ça s'appelle être dans la bouteille. Comment ça? Moi, je comprends rien. Ok, c'est encore quoi être dans la bouteille, non, tonton? Être dans la bouteille, c'est le tomasi collectif. On a fait un gros tomasi à tout le peuple. Mon frère. Mon frère, c'est très grave. Écoute toi-même ceci. Les populations de la Lekie, par notre voix, demandent que justice lui soit rendue. Ah bon? Et que ces criminels soient arrêtés et traduits en justice immédiatement. Ça devait être clair. Manada, tu es en danger, hein? Quand tu sais que tu es en danger, tu n'es plus en danger. Et c'est quand tu ne sais pas que tu es en danger que ça donne ceci. Nous avons pris conscience de nos dérives, de nos excès. Quoi? Quoi? Entendons-nous présenter à son excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État, nos plus profondes et sincères excuses pour les excès dont nous nous sommes rendus coupables à son endroit. Quoi? La baronne de Suisse, est-ce que tu as alors compris? Parce que Valsero a compris ça depuis longtemps, hein? Vous êtes incapable de donner votre voix. Chacun veut voir ses enfants grandir. Et la pub, aïe aïe, et folie, et aïe aïe, et... Pause publicitaire. Voilà, si tu es de passage, ou alors si tu es résident à Bafoussam, ou bien aux environs de Bafoussam, je te conseille, mon frère, si tu veux être beau, si tu veux être belle, fais rapidement un saut à l'Institut de beauté de Mana House. Je vous assure, c'est-à-dire, le cadre est d'abord agréable, beau. Oh, vraiment, c'est-à-dire quand on te coiffe là-bas, tu te crois aux anges. Les gars, allez juste par curiosité, vous allez rentrer satisfait. Moi-même, j'étais et c'est vraiment waouh. Faites un tour à l'Institut de beauté de Mana House, situé à Djelensan, à côté de Saint James. Donc, contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations. Et surtout, je vous rappelle, si vous avez une sœur à la maison, ou bien un frère, ou bien un jeune, envoyez-le rapidement à l'Institut de beauté de Mana House. Se faire former en coiffure, coiffure homme, coiffure femme, manicure, pédicure, soins de visage, patati patata, en fait, tout ce que vous connaissez en termes de beauté. Je vous assure, l'Institut supérieur de Mana House est le leader actuellement à Bafoussam, sans concurrent, même en formation. Vous attendez quoi? Les gars! Ok! La baronne de Suisse,
Tu t'en crédit quoi tout à l'heure? Vous êtes incapable de donner votre voix. Voilà, je vais te répondre. Est-ce que les deux cas que toi-même tu présentes là, Fianga et Bali, toi-même tu ne vois pas que c'est apolitique? Nous sommes là maintenant face à une situation politique, à un problème politique. C'est vrai. Tout le monde ne fait pas la politique. C'est un terrain d'abord très glissant. En vrai, vous allez faire quoi? Rien. Justement parce que nous sommes apolitiques. Il n'y a rien là. Vraiment, ça nous met notre cœur mal au cœur. On doit vraiment seulement accepter. On n'a pas le choix. C'est vraiment vrai qu'on n'a pas le choix. Allah, franchement, c'est pitiable. C'est de la gâchis. Une vraie gâchis, mais qu'allons-nous faire? C'est vraiment vrai qu'on n'a pas le choix, les gars. Bon, un bon influenceur là pour expliquer notre position, s'il vous plaît. Vous voulez qu'il dise ce que vous connaissez déjà, sachant que ça ne va pas forcément arranger le problème, pratiquement. Soyons objectifs, quand même. C'est inadmissible. On est tous d'accord que, humainement, personne n'est d'accord avec ce qu'il s'est passé. Et même avec ce qu'il se passe. Ceux qui ont fait ça, c'est la pire espèce. Et encore, on ne va pas arrêter de le dire. En tout cas, chacun a son opinion là-dessus. Mais vous connaissez très bien les enjeux derrière cette affaire. Pour qui oserait s'aventurer sur ce terrain sans vraiment savoir de quoi il parle? On ne chatouille pas les noyaux du diable parce qu'on a un bâton à main. Vous comprenez dans la compréhension? Mon frère, je n'ai pas compris cette partie. On ne chatouille pas les noyaux du diable parce qu'on a un bâton à main. Merci beaucoup, mon frère. Papa, tu as compris? On va faire comment? On va faire comment? On va faire comment? Ne jubile pas comme ça, après on voit les larmes couler. On va seulement accepter. On n'a pas le choix. Seigneur. Okay. Mon frère, on ne pleure pas. Tu vas lire ton nom, mon frère. On ne pleure pas. Hé, hey, tu pleures? Seigneur. On ne pleure pas. On ne pleure pas. Vous comprenez? Ok. Ok. Si tu es nouveau sur la page, abonne-toi. Et aussi, si tu es ancien, n'oublie pas de partager la vidéo au maximum pour m'encourager. Hein? C'est de ça qu'il s'agit. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.